Donc, ce qui va nous intéresser à présent, c'est d'avoir une représentation graphique de la densité de probabilité. Donc, pour ça, pour tracer un histogramme, il va falloir définir des classes dans lesquelles on va ranger chacune des masses générées aléatoirement. Donc, pour définir le nombre de classes, eh bien, il faut définir un intervalle entre chacune des classes. Si on prend un intervalle trop petit, on va avoir beaucoup de classes au risque d'avoir des classes qui sont vides. Donc faire des trous dans le diagramme. Et si on a trop peu de classes, ben on risque d'avoir une forme qui est pas très lisible. Donc une dizaine de classes, ça peut être bien par rapport au nombre de valeurs qu'on a générées, 1000 valeurs. Donc on va définir, comme on a un intervalle qui fait 0,02 grammes, et ben on va définir pour avoir 10 classes un intervalle de 0,002 grammes. Voilà. Donc pour commencer le graphique, on va partir d'une valeur plus petite que la plus petite valeur qu'on a. Donc cette valeur, elle sera égale à la plus petite valeur, à laquelle on va enlever l'intervalle de classe. Et ensuite, on va ajouter à la valeur précédente l'intervalle de classe. Et donc sans oublier de verrouiller cette valeur avec dollar. Voilà. Et donc on va définir ainsi un certain nombre de classes. Et il faut au moins qu'on dépasse la plus grande valeur, 4,55. Voilà. Donc on a notre dizaine de classes.